Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Curolector et aujourd'hui, eh bien, on va voir un petit peu le deuxième aspect de l'émission puisque je n'ouvrirai pas de collector, mais on va partir à la découverte de collections. Alors pour vous montrer un petit peu le principe, je vais partir de certaines de mes collections et aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de celle dont je suis le plus fier, qui peut vous paraître incomplète parce que justement, il n'y a pas de collector dedans. Soit parce que je n'avais pas les moyens de l'acheter, soit parce qu'elle commençait à dater au moment où je me suis procuré le jeu. Voilà. Donc vous l'aurez peut-être deviné avec l'écran ou si vous arrivez à voir un petit peu ce qu'il y a à gauche, à droite, ici, je vais vous parler de la licence, des licences, tout le moins Drakengard et Nier Automata, qui sont donc deux licences qui me sont chères, plus du côté de Nier que du côté de Drakengard, mais quand même. On va commencer à présenter les différents jeux. Donc, vous voyez que j'en ai une petite pile juste ici, avec donc le premier épisode, Drakengard, sorti en 2004 sur PS2. Il s'agit d'un action RPG avec des relents de Musou, donc de beat'em up. Voilà. Donc, c'est Yoko Taro au scénario. Et si je le précise, oui, au scénario, mais également à la production, à la réalisation, pardon, puisque son nom sera celui qui reviendra le plus, à l'exception de Drakengard 2, voilà, puisque pas mal de gens ont tendance à appeler l'univers Drakenir ou Yokoverse, et moi je trouve que le terme de Yokoverse n'inclut pas vraiment Drakengard 2, puisque sur celui-ci, Yoko Taro, Monsieur Yoko, était uniquement chargé des cinématiques. Donc voilà, il est pas, il avait été un petit peu mis de côté, ce qui explique aussi que sur ce Drakengard 2, finalement, donc également sorti sur PS2 en 2006, il y avait exactement le même système de combat. Enfin voilà, c'est des jeux qui sont relativement proches, qui sont un peu datés d'ailleurs hein, déjà au niveau des graphismes pour la PS2, même au niveau de la technique. D'ailleurs, c'est assez drôle de remarquer que sur la boîte de Drakengard 2, vous avez le petit logo Ubisoft parce que c'est eux qui le distribuaient chez nous. Et qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Ah, bah oui, quand même, le nom original, vous verrez ailleurs, puisque bon, bah, chez nous, il s'appelait Drakengard, mais au Japon, c'était Dragon Dragoon. Je le précise puisque vous allez voir que sur les OST, eh bien, c'est écrit Dragon Dragoon. Voilà. Donc, vous avez déjà ces deux jeux PS2. Qui, bon, bah, comme beaucoup de jeux PS2, je les ai commencés, mais je les ai jamais finis. Voilà. D'ailleurs, ceux-là, je les ai acquis plutôt récemment, bien après Nier et Nier Automata, d'ailleurs, après la hype, donc je les ai payés un petit peu cher. Drakengard, il était aux alentours de 10 euros, et celui-ci, il était déjà à 30. Donc, pour vous dire, mais après, il a été fait en moins d'exemplaires que Drakengard 1. Donc ça joue aussi. Voilà. Donc après les deux Drakengard, on va avoir Nier. Alors la version japonaise, celle qui était prévue au départ, c'est Nier Replicant. C'est celle qui connaîtra donc le remaster cette année, en 2020 ou 2021, enfin j'espère 2020. Alors pourquoi je précise Nier Replicant? Alors que chez nous, finalement, on connaît uniquement Nier. Voilà. Top, si je prends la bonne jaquette. Et d'ailleurs, vous pouvez constater que finalement, les Nier PS3, eh bien, ils ont des jaquettes différentes. Et ça s'explique parce que nous, en Europe, on a eu l'autre version japonaise, Nier Gestalt. Voilà, alors sans les reflets, c'est mieux. Donc, ce Nier Gestalt, quelle est la différence avec avec Nier Replicant? Déjà, ça va être un petit peu au niveau du scénario, puisque Nier, le personnage principal, ne sera plus. Alors, dans Replicant, il est le frère de Yona, alors que dans Gestalt, il est le père. C'est la majeure différence entre les deux. Après, ça ne varie pas énormément. Tout est plus ou moins similaire. Après, vu que Nier Replicant est en japonais, je n'ai jamais été très très loin dans le jeu. Voilà. Malgré tout. J'ai tout de même fini Nier sur PS3, mais jamais sur Xbox 360. Voilà. Donc ça vous permet comme ça
de voir les différents exemplaires de Nier, les versions japonaises et les versions européennes, américaines, enfin occidentales. Donc voilà. Donc nous, on a vraiment eu que la version Gestalt, alors qu'au Japon, ils avaient deux versions. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui sera donc probablement réparé avec l'arrivée de Nier version 1.22, voilà, dont le titre est à rallonge, et Nier Remaster, ça va très bien. Donc celui-ci était sorti en 2010, en avril 2010, on a fêté les 10 ans il y a peu, puisque c'était le 22 avril au Japon, 23 avril chez nous, je crois. Donc il n'y a pas énormément de différence, et c'est plutôt agréable. Ensuite, eh bien, il y a eu un petit retour des choses en arrière, puisqu'on part sur Drakengard 3. Donc là, il y avait une collector, en l'occurrence, sauf que ben, je l'ai acheté après Nier, et donc j'avais pas le moyen de trouver une collector à prix abordable. Déjà, le jeu, je l'ai quand même eu neuf, donc j'avais un petit peu de chance là-dessus. Je l'avais payé une vingtaine d'euros neuf, donc je suis assez saucé. Et bah malheureusement, j'ai jamais fini non plus. Comme beaucoup. Alors j'étais bien avancé, hein, j'étais quasiment à la fin de ce que j'en sais de l'univers. Mais malheureusement, j'ai jamais été au bout. Parce qu'en fait, la PS3, elle est à mon frangin. Voilà. c'est l'inconvénient de ne pas posséder sa propre console. C'est de devoir jouer quand les autres ne jouent pas. Et. Ben, il faut récupérer cette dernière si on veut pouvoir avancer. Voilà. Donc ce Drakengard 3, je n'ai pas précisé la date de sortie, ça doit être 2013, je crois, si je ne dis pas de bêtises. 2013-2014, voilà, j'étais pas loin. Donc on se rapproche un petit peu plus de nous. Et là, pareil, hein, comme la plupart des jeux de la licence, en fait, graphiquement et au niveau du gameplay, il y a pas mal de petits soucis, c'est un peu en dessous de ce qui se fait de mieux, surtout que ben, vous voyez, de 2014, on est déjà presque sur la PS4, elle était peut-être même déjà sortie, j'ai un gros doute là-dessus, mais voilà. Et le dernier jeu, pour l'instant, puisque Nier version 1.22 n'est pas encore sorti, n'a pas de date de sortie, c'est celui qui défile derrière et dont j'ai le plus de goodies, c'est Nier Automata. Forcément, en plus de ça, c'est le jeu qui a eu le plus de succès. Donc vous avez la version Day One juste ici, et la version Game of the Year. La seule différence, c'est que vous avez le DLC d'inclus ici, et quelques bonus supplémentaires. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai fini sur PC à l'époque, puis après, vu que j'ai eu une PS4, eh bien, je l'ai acquis, donc à chaque fois en occasion. Mais j'ai fini le jeu, le DLC, sur les deux plateformes, PC et sur PS4. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu du cœur, même si je préfère largement en fait Nier sur beaucoup d'autres points, mais ça reste un excellent jeu, et d'ailleurs le savoir-faire de Platinum Games au niveau des jeux d'action, etc., se fait ressentir. Donc celui-ci c'est 2017, hein, je ne l'ai pas dit, ça commence à dater un petit peu. 2017 pour la version normale et 2019 je crois pour la version Game of the Year, il précise pas, mais ça doit être 2019. Ouais. Ou peut-être 2018, mais je ne pense pas, il me semble que c'était 2019. Voilà. Donc ça, c'est pour les jeux, etc. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les autres éléments qui peuvent rentrer dans la collection. Alors, peut-être les mettre un petit peu après. Déjà, une petite boîte à musique Weight of the World de Nier Automata. Alors, j'ai pas pu mettre la main sur celle de Kainé de Nier, malheureusement, mais j'aimerais énormément la voir. Voilà, donc elle a rien de vraiment spécial. Hein. Vous avez juste écrit Weight of the World avec une petite silhouette de Toubi. Mais voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer d'autres trois petites autres choses, des livres, des OST, etc. Donc on va découvrir un peu tout ça. Dans le genre goodies, vous allez avoir tout ce qui sera ouvrage, etc. Nier Automata Drakengard est une licence cross-média, c'est-à-dire que vous allez avoir des mangas comme les trois tomes ici de Drakengard. Alors il en existe un autre de manga mais qui n'a pas été traduit en français. Donc celui-ci est édité chez Kurokawa chez nous. Voilà, vous allez avoir également des light novels. Alors malheureusement, ceux-ci
sont en anglais puisque nous avons édité par Viz Media. Ils reprennent la trame du jeu pour Long Story Short. Et Short Story Long, ça va être plutôt des petites quêtes secondaires, etc. Des petits éléments en fait qui nous seront réexpliqués dans ça. Donc si vous n'avez pas fait le jeu, c'est débile de le lire. Si vous l'avez fait, ça sera beaucoup de redites. Et en plus de ça, eh bien, je ne veux pas tirer sur l'ambulance. Mais il y a des fautes, il y a quelques erreurs, etc. Donc c'est pas parfait, la traduction n'est pas extraordinaire. Ensuite, vous aurez les trois ouvrages ici. Alors, Le Grimoire Nier est en japonais. Il s'agit d'un artbook, guide, etc. du jeu. Donc vous allez avoir les différentes fins, etc. Les explications sur l'histoire. Donc vous voyez, c'est vraiment le guide type du jeu. Donc le tout parsemé de magnifiques arts, etc. Top. Donc tout est vraiment explicité. Hop là, si j'arrive, donc comme d'habitude, il y a des interviews, etc. avec. Top. Voilà, alors le souci de ce genre d'ouvrage, vous pouvez constater quand même que les arts sont... Alors il y en a de bonne taille, mais la grande majorité sont tout petits. Hein, voilà, c'est quand même pas grandiose, grandiose. Voilà, et puis les écrans, pour les explications dans le guide, les cartes, etc. Vous voyez que, bon, malgré quelques éléments d'assez bonne taille, on a quand même quelques petits couacs. Voilà, donc les petites choses assez sympathiques. Voilà. Et d'ailleurs, ces petits artworks, on va les retrouver dans les éditions françaises, donc toujours Kurokawa, dans la collection Kuropop. Donc le World Guide, donc qui sera là vraiment plus le côté artbook avec les environnements, les personnages, etc. Voilà, donc là encore, c'est de plutôt bonne taille. Là où on va commencer à tirer un peu la tronche, c'est pour le strategy book. Mais en même temps, ce strategy book, eh bien, c'est quand même le guide qui est censé vous dire, voilà, attention, voilà. Là, c'est l'exemple typique d'artwork minuscule, où il faut quand même zoomer comme pas possible. Pour pouvoir récupérer quelque chose de potable. Voilà. Donc vous avez la même chose que dans le Grimoire Nier sur les armes, etc. Des interviews, quelques arts, etc. Voilà. Vous aviez également quelques nouvelles. Ils vous reprenaient le scénario. Voilà, avec quelques explications. Donc voilà pour ces deux bouquins. Alors ça, c'était les ouvrages, on va dire, propres à l'univers. Mais vous avez également ce petit bouquin, L'œuvre étrange de Yoko Taro, signé par Nicolas Turcev, chez Third Edition, qui est vraiment très très bien. Alors là, c'est la first print, voilà, avec cette couverture pour le bouquin de base. Donc vous avez en plus de ça, à moins que ce soit celui de la first print, puisque vous avez la lithographie avec qui est à côté. Voilà, donc c'est un bouquin de Schaeffer, donc n'espérez pas voir des images, mais ça décrypte tout l'univers, donc avec la présentation du scénario, les messages cachés des fois qu'il y a derrière l'œuvre, etc. Voilà. Bref, un bouquin qui est excellent, qui est un des 3 ou 4 meilleurs bouquins que j'ai lus de Schaeffer Edition. Sans chipoter, il doit être sur le podium des œuvres de Schaeffer. À côté de ça, vous avez peut-être pu déjà les entrevoir, il s'agit des OST. Alors, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Donc, on va trouver celle de Dragon Dragoon, donc de Drakengard 1. Alors, celui-ci, ce n'est pas le CD original, c'est une réédition de 2011. Mais tout de même, l'autre étant plus compliqué à trouver à un prix correct. Voilà, ou même trouver complètement. Après, vous avez celle de Dragon Dragoon 2, donc Drakengard 2. Puis Drakengard 3. Et enfin, eh bien, on va revenir avec les OST de Nier et Nier Automata, plus les orchestrales arrangements. Donc vous avez la grosse boîte Special Edition qui est vraiment sublime et qui est franchement peut-être une des pièces maîtresses de cette collection. Enfin, moi, c'est celle que je préfère le plus. Enfin, voilà, vous avez deux magnifiques.
Putain, j'allais dire Steelbook, mais non. Voilà, deux magnifiques coffrets CD ici, avec en plus de ça un troisième en dessous. Donc là, c'est vraiment l'orchestral arrangement. Et le petit plus qui est sorti, donc ça c'était en 2018, et ça c'est sorti au début 2020, c'est l'addendum. Et cet addendum, eh bien qu'est-ce qu'il apporte? Eh bien, 6 chansons sur celui-ci, je crois. Ah non, 11 ch 10 chansons sur celui-ci et 4 là-dessus. Je sais plus, vous voyez, en plus il est complètement moche de l'autre côté. le spécial disque du coup de l'addendum. Vous avez en fait la version orchestrale, mais avec les voix de Jeanick Nicole Johnson et de Amy Evans, qui est la chanteuse qui a mis sa voix sur une grande majorité des titres de Nierengestalt. Deux, trois titres, je crois, sur Drakengard 3 et bah, du coup sur Nier Automata, et qui était absente donc du Nier Orchestral, où là c'était vraiment un chœur qui reprenait les titres. Voilà. Donc là, on a eu quand même un petit aperçu encore plus sympathique avec les différents ouvrages et l'OST, mais bien sûr, vous vous doutez bien que ce n'est pas fini. Dans cette collection, toute une série de petits trade arts. Alors, que la mise au point se fasse. Donc, c'est des figurines qui sont toutes petites. Hein, regardez, voilà mon pouce. Qui se mettent tranquillement sur un petit support avec une grosse tête. Au passage, je vous remets la boîte à musique Way of the World. Et puis bon, on va avoir également quelques petites peluches ici qui sont toutes mignonnes, tout plein. Dernier élément, eh bien, il s'agit de Bringards, donc des figurines. Donc vous avez ici le set déjà Nier, donc Replicant, Nier Brover et Emile tout à gauche, avec au centre celle de Kainé. Vous avez également celle de Devola et Popola de Nier Automata, puis Toupie. Donc celle-ci est apparue déjà dans le Soul Calibur 6 en tant que deuxième player, puis dans le raid Yora sur FF14. Et puis bon, toute une série avec des machines Lifeform, Adam et Ève, le roi de la forêt dans son berceau. Je ne sais pas si j'ai le bras suffisamment long. A2, 2B et 9S. Voilà. Donc ça fait quand même une sacrée série de figurines, de goodies en tout genre. Et voilà. Et donc voilà, on a fait le tour de ma collection. J'espère que ça vous a plu. Alors comme vous avez pu le constater, hein, il manque pas mal de choses. Elle est assez diverse et variée tout de même entre des choses qui sont des imports japonais, des imports américains, les jeux, etc. Les goodies en tout genre. C'est vraiment la plus complète, celle qui prend le plus de place chez moi. Sachant que vous allez voir, j'ai d'autres collections également. Je vous en présenterai au moins une autre de personnel. Sinon, eh bien, vous pouvez me proposer via un contact dans les réseaux sociaux, donc, dont vous pouvez retrouver les liens dans la description, pour me contacter, pour voir si on peut présenter votre collection. Alors, soit je me déplacerai chez vous. Si vous l'autorisez, bien évidemment, et que vous habitez pas trop loin, parce que je n'ai pas de revenus fixes, voilà. Mais sinon, on peut faire ça via Facecam, vous présentez tout ça, etc. On en discute un peu ensemble en même temps. Donc, vous me contactez en MP, vous me dites, voilà, je voudrais te parler de ma collection, de machin, de tel univers, et on peut présenter tout ça, ensemble dans une petite vidéo. Voilà. Là-dessus, donc, je vous laisse. Je vous dis bonne soirée, bon après-midi, bonne journée. Et comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à liker, etc. Et je vous dis à bientôt. Tchuss, à la prochaine!